Alors, le projet Turbo a pour objectif de former des jeunes qui sont en recherche d'emploi et de les former à nos métiers. La qualification a pour objectif qu'ils obtiennent à la fin un diplôme de mécanicien des engins de travaux publics et de manutention. Donc c'est 8 ateliers répartis sur toute la France qui accueillent les 17 jeunes de cette formation. On a sous l'entité de Gondreville deux apprentis. On est en charge de les former, de leur apprendre les basiques, d'être en adéquation avec leur partie scolaire qui se passe au centre d'apprentissage. Je suis 4 semaines à Gondreville et je suis 2 semaines à Toulouse, enfin à Bruguière. Et on a fait beaucoup de mécanique, de nettoyage, de maintenance. Et je pensais pas apprendre autant de choses en aussi peu de temps. Au début, c'est un peu impressionnant parce que quand on voit les machines, on se dit faut pas faire de bêtises, on risque de se faire mal ou de faire mal à quelqu'un ou de casser quelque chose qui coûte cher. Et au bout d'un moment, on finit par faire des trucs vraiment délicats, on s'en est même pas rendu compte qu'on pouvait les faire. C'est le métier que j'ai toujours voulu faire et de pouvoir le faire ici, ça me plaît encore plus. Nos tuteurs sont là avec nous pour nous faire vivre cette passion aussi. Franchement, c'est une entreprise qui est de tout cœur avec nous. Quand j'ai le moindre problème ou la moindre question que je vais lui poser, il est toujours à l'écoute. On voit plein de techniques différentes. Chacun a sa manière de travailler, on voit plusieurs manières de travailler. Tout le monde a son expérience et voilà. Donc c'est intéressant aussi pour lui de connaître aussi les personnes. Il n'y a pas que le travail, il y a aussi connaître la personne. Mon parrain fait partie aussi des personnes qui m'encadrent. Si j'ai besoin de mon parrain pour une tierce question, je peux aller lui poser. C'est ici que j'ai appris. Moi, en sortant de l'école, je suis rentré chez Bergeron et Monnoyeur aussi. J'ai envie de transmettre ça, je l'ai déjà fait. J'ai fait aimer ce métier à d'autres jeunes en apprentissage. Et c'est une grande société dans laquelle tout le monde a sa chance pour évoluer. Je m'appelle Sharaki Amin. Je fais partie de la formation Turbo 2. Dans la pratique, je suis bien mis. Mais en sens théorique, j'ai un peu de mal parce que je suis pas français. Ça fait un an et demi que je suis ici. Et avoir un test au mois de mars, pour moi, j'ai fait mes efforts, on essaie d'apprendre. Et voilà, normalement, il n'y a pas de doute après. Enfin, une fois on se met à fond, il n'y aura pas de problème normalement. On voit que c'est des jeunes qui sont motivés et qui, je pense, ils ont des grosses chances de réussir. C'est une très bonne idée, quoi. J'ai appris qu'il y en avait qui changeaient complètement de métier. Je les trouve très courageux. Et l'entreprise fait c'est une chose, d'après moi, qui est énorme et qu'il faut faire. Il y a des hauts et des bas, mais moi, il me semble qu'après ces 10-11 mois passés dans le dispositif, ils sont vraiment bien intégrés. Donc merci à tout le monde pour cette intégration. J'ai un tuteur formidable. Il se pose continuellement la question de comment faire pour pouvoir non seulement lui apprendre quelque chose, mais aussi qu'il s'en souvienne et qu'il puisse se poser des questions sur pourquoi c'est comme ça. Je réfléchis beaucoup pour savoir comment lui transmettre le fonctionnement des machines, quoi. Je lui montre et des fois je fais des jeux de rôle aussi parce qu'on échange. Des fois c'est moi le stagiaire et puis c'est lui le technicien. Les choses informatiques, je lui laisse faire et c'est lui plutôt qui m'apprend. L'entreprise nous enrichit tous les jours en fait, du travail, des connaissances qu'on acquiert. Procurer une aide aussi, souvent ça fait plaisir dans l'atelier de savoir qu'on est important, si on peut dire ça. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai compris des choses et là pour mon futur travail, j'ai envie de continuer en fait. Signer mon CDI de sûr, j'aimerais bien tout ça, ça serait plutôt cool. L'entreprise, moi je l'aime bien et puis le travail il est magnifique aussi, donc il n'y a rien de mieux. Et c'est aussi une chance pour nous d'avoir, une force vive qui arrive chez nous, de pouvoir les intégrer et qui nous apporte le peps qui vient de leur âge et de leur environnement. Je crois que tous les acteurs de Bergeron Monnoyeur sont très fiers de participer à ça. De l'optimisme pour l'entreprise aussi, qui continue à construire son avenir. Et nous avons encore de longues années devant nous à participer à la construction de cette entreprise. Je pense qu'ils vont encore pouvoir parcourir un beau chemin jusqu'à la fin. L'objectif, c'est l'examen novembre 2018 et puis rendez-vous en décembre pour la remise des diplômes.